Donc bonjour bonjour, bienvenue sur Scooter boîte petite vidéo blabla aujourd'hui. Donc la 89 c'est bon, elle est faite. Bon, pour encore je peaufine un peu les réglages, <coughs> en l'occurrence peut-être au niveau du vario Alors, je vais déjà vous donner les les jeux, les taux et les réglages que j'ai fait dessus. Je vais vous détailler la config en fait. Donc pour la config, euh, on est sur un kit 65 cc RSAL, piston 45 mm, culasse RRD préparation euh, 45 mm, avec un plan de joint d'une épaisseur de 1,28 mm. J'ai pris toutes les cotes. Euh, le cylindre actuellement, il est neuf, donc en rodage, donc pour l'instant, je ne tire pas dedans, à savoir que l'ancien, malgré l'usure qu'il avait, je prenais quasi 80. Euh, là, j'ai un jeu cylindre-piston de 0,10, j'ai un jeu à la coupe au segment de 0,25, j'ai un squish de 1,40 mm et j'ai un taux de compression de 1,15 pour 1. Là-dessus, le pot, il est d'origine, j'ai juste fait, euh, refait trois petits trous de 6 mm sur la chicane à l'intérieur. C'était pour essayer de comprendre pourquoi que ma machine chauffait, mais bon, ça n'a pas résolu le problème. Euh, donc, pot d'échappement d'origine Moto Bécane à part la trompette, hein, mais bon, c'est la même. La pipe d'admission, c'est une malossi aussi euh, pour les PHBG, donc euh, c'est emmanchement de 24 et ça prend les carbus jusqu'à 21, si je dis pas de conneries, ou 19, je sais plus. Euh, le CARBU, c'est un DeLorTo de PHBG euh, 16, modèle de temps, acheté chez VSX, pas fourni de base avec le starter à câble. Hein. Donc il euh, faudra acheter le starter à câble à part. Le filtre à air, c'est un Malossi E3 qui se visse euh, sur les carbus PHBG, mais euh, décalé par rapport au E3B, parce qu'il fallait que ça passe avec le plateau, sinon ça ne serait pas passé. Euh, il tient pas très bien sur le carbu, moi je l'ai collé un peu, sinon il ne tenait pas. Bref. Euh, Là-dedans, gicleur, j'ai monté un gicleur de principal de 68. Il y a un gicleur de ralenti de 35. L'aiguille, euh, elle est au deuxième cran en partant du haut. Et la vis de richesse, euh, je l'ai serré à fond et je l'ai desserré de deux tours complets. Voilà, le boisseau, c'est celui d'origine. Le diffuseur, c'est celui d'origine. Le gicleur de starter, c'est celui d'origine du carbu. Voilà. Euh, concernant l'allumage, je suis sur un allumage euh, Loter euh, calé à 1,7 avant le point moro euh, avec un CDI de 51 Magnum, donc pas le CDI fourni avec euh, l'allumage parce que j'avais pas trop confiance. La bobine euh, d'allumage haute tension, c'est une euh, adaptable euh, à la base pour Rupteur, mais c'est les mêmes. Pas la peine de la bobine d'origine sur ma 89 était noire et celle qui était fournie avec l'allumage était blanche, donc j'ai voulu euh, conserver la noire pour. Euh, Histoire qu'au niveau, euh, que ça ne se choque pas, vu qu'elle est de 94, celle-là 94, c'était des bobines noires. Voilà. Euh, c'était d'ailleurs des transvales d'origine. Et euh, la blanche qui était fournie, c'est une Wavy. Donc, euh, bah, c'est littéralement une bobine qui est montée sur l'image rupteur. Donc, voilà. Et la machine marche très bien, démarre au car et tout. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Ah oui, niveau euh, variation, on est sur un variateur... Euh adaptable donc euh, modèle lotaire de chez la mobelet.net en et c'est un vario galet <coughs> attention ceux qui veulent faire la modif sur euh, variateur euh, à billes vous devez changer le tambour côté joue mobile et euh, vous devez changer la cage la cage bah, la cage euh, c'est une cage bille donc vous devez mettre une cage galée euh, ça, ça coule de source, mais vous devez changer le tambour parce que l'épaisseur n'est pas la même euh, sur le modèle euh, ABI que sur le modèle à, à euh, Dedans, j'ai des galets de 7,2 grammes des mal aussi, donc ils sont de plutôt bonne qualité parce que j'avais monté des Stach 6, je les ai bouffés en 2-2. J'avais monté je ne sais plus trop quoi après, ils, étaient, euh, ils avaient éclaté et puis ils s'étaient sortis du variateur. Ceux-là, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont dedans, ils sont d'assez bonne qualité. C'est des galets en 15 par 12 et c'est des galets de 7,2 grammes. Le problème c'est que niveau réglage, on est un peu limité sur les variateurs MbK. Puisqu'on n'a que 3 galets dans le variateur, on en aurait eu 6 par exemple. Ça aurait été bien mieux pour faire les réglages. On aurait pu faire un mixte sur deux poids différents, comme j'ai fait pour le Kinko. Le Kinko, ça fait maintenant 5 ans qu'il roule comme ça, j'ai pas de problème. Le problème c'est que sur les 89, euh, bah sur les variateurs MbK, on est en cage 3 galets donc c'est un peu la merde pour faire les réglages de, de poids surtout qu'on ne trouve pas vraiment des poids légers pour ces variateurs là euh, les galets de les gros les petits galets comme ça en général c'est des très gros poids donc euh, c'est un peu la merde je l'ai déjà allégé euh, pas mal hein, par rapport aux variateurs. Euh, ce qui était fourni avec d'origine il est fourni avec des galets de 8,5 grammes 5. G. moi je l'ai allégé à 7,2 grammes 2, g, donc j'y ai fait perdre euh, 1 ,3 g 3 par, euh, par galet. Mais je trouve que c'est peut-être encore un peu lourd. Hein, surtout que je ne suis pas quelqu'un qui fait poids-plume. Donc je vais voir peut-être pour acheter par la suite un galet, un variateur, euh, mal, une, 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 une joue de variateur mal aussi euh, multivar ou euh, variotop, je ne sais, sais plus trop le nom. Mais c'est une pièce qui se monte en lieu et place du variateur euh, d'origine. En fait, ça remplace le, le système qu'il y a dedans. Et ça permet de conserver l'embrayage d'origine. Et de pas dénaturer l'esthétique de la 89, parce que je pourrais mettre un variateur du genre Doppler ou les trucs comme ça, avec euh, fonction embrayage, mais je perds l'esthétique le, de la 89 qui serait un peu con. Je veux absolument lui garder un max son esthétique. Euh, je veux pas la dénaturer. C'est d'ailleurs pour ça que je ne mets pas de couronne plus grande à l'arrière pour pallier le manque de montée en puissance, parce que si je mets une couronne plus grande, je suis obligé d'enlever tout le carter de chaîne. On a une couronne de 44 et un pignon de 12 là-dessus aussi, en au fait. Si je vous avais pas dit, mais voilà. Et euh, le problème, c'est que je crois qu'ils ne font pas de pignons plus petits. Euh, je crois que je suis en 44 par 12 ou en 44 par 11, je ne sais plus. Mais je sais qu'il n'y a pas, j'avais regardé, il n'y a pas la taille en dessous de celui que j'ai. Ça c'est sûr. Et euh, là-dessus, bah, c'est à peu près tout. En bougie, j'ai une NGK BR8 HS. Gapé à 0,70 et euh, voilà quoi. Ça marche ça marche déjà pas mal. Euh, L'accélération elle est quand même présente. Pas autant qu'avec l'ancien cylindre, mais bon, l'ancien cylindre il avait un rapport volumétrique plus haut et euh, <coughs> un squish un peu plus bas. Euh, pourtant, c'était le même cylindre, mais euh, à la différence que celui-là je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. On est en 2024, je l'ai acheté cette année quoi. Ben, il y a quoi là dans le mois là, là L'heure que je vous fais la vidéo, on est le 15, le 15 avril, je l'ai commandé le 5, je l'ai reçu le 13. Et euh, l'autre, il était de 2018, je crois que j'ai dû le payer en, en janvier de janvier ou février 2018, je ne sais plus. Je l'avais acheté sur, euh, sur Amazon. Il que je regarde dans l'historique de commande. Et je l'avais d'ailleurs payé pas très cher, je l'avais payé 35 euros. Et euh, bon là, ça a vachement augmenté quand même en quelques années. Maintenant, on est plus proche des 60, voire même 65 euros selon les sites. Donc voilà. Donc euh, la 89, j'ai plus qu'à lui remonter ses petits caches et euh, faire un petit brin de nettoyage dessus, euh, dégripper un peu le porte-bagage, euh, voir la tension des câbles de frein et tout ça, parce que j'ai vu que le frein arrière, il a un peu mou. Et, euh, et puis voilà, voilà quoi. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous dis à une prochaine.